Sarajevo en Bosnie-Herzégovine pour assister à la deuxième mi-temps de ce match, mais ma foi assez palpitant et qui plus est, mais très très palpitant, entre l'équipe de la sélection de la Bosnie-Herzégovine et celle de l'Albanie. Et les deux équipes sont à égalité, un partout donc. Allez, Bouchy. Allez, c'est reparti, le ballon est aux Albanais. Bouchy qui passe à Lala. Hachi. Hachi, Echi. Oui, qui passe à Heracli. Attention, oui. Attention, il a passé le ballon. Il a passé le ballon. Vas-y, passe. Attention, attention, tu vas dire. Et c'est le but. Et un nouveau but. Cette fois-ci, du côté albanais. But signé Bouchy. Ah, franchement, il a bien forcé celui-là. Franchement, il était bien. Franchement, il a. Ouais, ben, GG, donc, cher Bouchy. Ce qui permet donc à l'équipe nationale de l'Albanie de mener au score 2 buts à 1. Donc. Alors, on va très bien. Il a bien capté le ballon et réussi à entrer le ballon dans les filets. Et ben, GG. Franchement, GG. Franchement, il fallait vraiment le faire. C'est vraiment mais ce qu'on peut appeler un passage en force. Allez, donc, ce qui permet à l'Albanie de mener au score 2 à 1 face à la Bosnie-Herzégovine. Là, ils sont prévenus, les Bosniaques. Ils sont prévenus. Ils sont prévenus. Il faut vraiment qu'ils. Qu'ils revoient un peu leur stratégie. Ouais, Heracli repris par Ibic du côté bosniaque. Bolic du côté bosniaque. Bezirevic. Oh, il force. Ah, et le ballon est repris par. Repris une fois par les Bosniaques. C'est pas fini. Parce que là pour l'instant, les Bosniaques ont perdu encore le dernier mot. Attention, et joli tir. Et un bel arrêt du gardien qui provoque un corner. Deuxième corner pour les Bosniaques. Allez, ouais, on va attendre qu'il le siffle de l'arbitre pour qu'il puisse. Pour qu'il puisse tirer. Ouais, attention, joli tir qui trouve par. Et Capitovici, c'est le but! Et un nouveau but du côté bosniaque. Ça n'arrête pas cette avalanche de buts. Et nouvelle égalisation de la Bosnie-Herzégovine. Tout est à recommencer du côté albanais. En tout cas, belle égalisation de Kapetanovic du côté de la Bosnie-Herzégovine. Alors, attendez, on va voir à partir de ce corner. C'est par là où s'est déroulé le but. Et Kapetanovic qui a réussi à tirer ce ballon à partir de la tête. Et ce qui est grâce à ça, ce qui a permis de rentrer le ballon dans la cage et provoquer un but. Et nouvelle égalité parfaite entre l'Albanie et la Bosnie-Herzégovine. Oula, elle va être palpitante cette match, elle va être palpitante. Allez, on continue. Barbarez du côté bosniaque. Oh, ils en veulent les Bosniaques, ils en veulent. Tandis que les joueurs de l'Albanie galèrent un petit peu. Mais bon, je suis sûr qu'ils vont très vite se refaire. Allez, on continue. On continue à bien bosser du côté bosniaque. Ibic. Qui passe à Salihamidzic. Balic. Attention, il n'y a pas hors-jeu, va-t-il marquer? Va-t-il? Est-ce que... Non, attention! Ouh là 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 là! Et un autre corner! Et troisième corner pour les Bosniaques. Ah, il est palpitant ce match, il est palpitant. Attends patiemment pour qu'il puisse marquer. Oui, c'est bon. Il tire. Et le ballon est repris par les Albanais. Fakaj.
Allez, c'est le noir, on y croit. Bushi, Bushi. Voilà, il est intercepté par Bushi du côté albanais. Ouais, qui passe à Chulku, Chulku. Mince, zut, il a. Le blanc a été comment dirais-je, a été perdu, c'est pas grave. Allez, le ballon est de nouveau du côté bosniaque. Bezirevic. Bezirevic. Qui passe à Salihamidzic. Balic. Balic. Est-ce que. Attention! Et oh! Encore un autre arrêt du gardien albanais, Strukacha. Et quatrième corner pour les bosniaques. Ah, mais les bosniaques, ils sont un donf, comme on dit. Bon, très clairement qu'ils en veulent, ils en veulent. Allez, on peut. Le tir va être effectué par Barbarez. Et le ballon est repris. Ah, il est repris une nouvelle fois par les Albanais. Kola. Qui passe à Bushi. 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 Ah, il devrait faire une passe, Bushi, à Chulku. Non, il préfère, oui, il préfère faire une passe à Tar, mais bon, ça aurait été pareil. Attention, parce que là, les Albanais remontent dangereusement. Vont-ils réussir à marquer? Attention, est-ce que. Attention! C'est pas fini! 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 Là, le ballon est repris par Héraclie, attention! Est-ce que. Oh, dommage! Et récupéré par les Bastiaques. Dedic, Ibic, Salihamidzic. Oui, il est palpitant ce match, il est palpitant. Allez, repris une nouvelle fois par les Albanais. Kola, Héraclie. Héraclie. Héraclie toujours. Qui passe à Tar. Tar toujours. Est-ce que. Attention! Oh là 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 là! Attention, c'est pas fini! Et corner! Et cette fois-ci, corner du côté albanais. Là, ils ont intérêt à bien se concentrer, les Albanais, parce que s'ils veulent gagner ce match, il faut vraiment qu'ils se donnent, mais vraiment à fond. Le tir est effectué. Récupéré par les Bosniaques. Barbarez. Kapetanovic. Repris par Balic du côté bosniaque. On en veut encore. On en veut encore. Barbarez. Barbarez toujours. Allez, on continue, on continue. On continue. Donc Barbarez. On continue à progresser du côté bosniaque. Fakaj. Du côté albanais. Varesanovic. Du côté bosniaque, repris par. Oui, récupéré une nouvelle fois par les bosniaques. Kapetanovic. Kapetanovic. Bolic. Attention, attention, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Va-t-il tirer? Va-t-il. Oh, attention! Oui, c'est la but! Incroyable! Oh là 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 là, mais c'est vraiment ce qu'on peut appeler un effet flipper parce que là, franchement, il a surpris tout le monde. Et magnifique but signé Bolic du côté bosniaque. Eh ben GG, franchement GG, parce que. Allez, voilà, on va ralentir les caméras. Voilà. Voilà, donc c'est le Bleach qui tire. Là, qui. Oui, qui percute la barre transversale et qui finit à l'intérieur de la cage. Oh là 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 là. Là, franchement, comme but, on peut vraiment pas mais rêver mieux. Ce qui permet à la Bosnie de mener 3 à 2 face à l'Albanie. Alors qu'on s'approche à quelques minutes de la fin de ce match. Est-ce qu'il va y avoir un miracle du côté albanais? Kola! Attention! Oui, Chulku! Chulku! Et c'est le but! Incroyable! Oh, magnifique! Magnifique égalisation à la dernière minute! Oh là 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 là! Déjà, je savais qu'ils allaient égaliser parce que là, franchement. Franchement, il fallait vraiment le faire. Et nouvelle égalisation albanaise. Alors là, je dis GG parce que là, franchement, il fallait vraiment le faire. Et tout est à recommencer du côté bosniaque. Et c'est justement la fin donc, de ce match. C'est bizarre. J'ai presque envie qu'il y ait une prolongation et qu'il puisse y ait un tir au but. Bah, je sais pas. Vous savez quoi? Étant donné qu'on a envie d'avoir un peu plus de spectacle, je propose qu'on arrange ça.
Avec un bon petit. Attendez. Attendez. Golden goal. Allez, attends, non, la séance des tirs au but. Allez, la séance des tirs au but. Allez, on va se faire plaisir. On va se faire plaisir. Allez, allez, c'est parti. Allez, une petite séance de tirs au but. Allez. Juste histoire de conclure ce match, mais vraiment palpitant. Allez, c'est parti donc pour cette séance de tirs au but qui oppose la Bosnie à l'Albanie. Les deux équipes étaient à égalité à 3 partout, donc là ils ont vraiment, mais là il y a quelque chose me dit qu'ils vont tout donner dans ce match. Ils vont tout donner, les deux camps vont tout donner. Allez, c'est parti, autour de l'Albanie. Chumba, pardon. Attention, allez, c'est le but! Ah, mince, le gardien bosniaque n'aurait peut-être pas dû se déplacer, bon, c'est pas grave. Ensuite, allez, autour de la Bosnie, Salihamidzic, ancien joueur du Bayern. Égalité! Bon, très bien. Ensuite, autour des Albanais, Kola, ancien joueur de l'équipe grecque du Panathinaikos. Est-ce que. Oh oui! Oui, j'ai cru qu'il allait l'attraper celui-là, mais non. Allez, autour des Bosniaques, Bezirevic. Bezirevic, oui. Est-ce que. Oh, joli! Oh là! Eh ben, GG, Strakosha. Et premier échec pour les Bosniaques. Allez, autour des Albanais, Vata. Deux pour l'Albanie, un pour la Bosnie. Oui, but! Allez, retour maintenant de la Bosnie. Varesanovic. Il a tiré. Et c'est le but! Allez, c'est peut-être le dernier pour les Albanais. Tard, enfin autour de tard. Sûr, on dit tard ou taré, je sais pas, je sais plus. Bon, pas grave. Oui, joli, joli, magnifique. Allez, autour de la Bosnie donc, avec Ibic. Et. Oh mince! Ah, joli! Et la Bosnie, enfin. C'est parfait. Et c'est terminé. Et ben, victoire. Victoire donc des Albanais qui remportent donc ce match et qui puisaient cette coupe des Balkans face à une équipe de la Bosnie-Herzégovine qui a comme avantage à tout donner dans ce match. En tout cas, belle victoire donc des Aigles Noirs, c'est-à-dire l'équipe nationale de l'Albanie qui l'emporte. GG à eux. Et GG aussi aux Bosniaques d'avoir lutté jusqu'au bout, parce que là, franchement, ils méritent vraiment notre respect. En tout cas, belle victoire donc des Albanais qui l'emportent sur le score étriqué au tir au but 4 à 3 face à l'équipe nationale de la Bosnie-Herzégovine. Voilà donc, mesdames et messieurs, je propose donc qu'on s'arrête donc ici. C'était donc le deuxième test sur le jeu UEFA Euro 2000 sur PlayStation 1, édité par eSport. J'espère que ça vous a plu. C'est comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu. Et l'abonnement. Et d'ici là, salut et rendez-vous pour de prochains tests ainsi que de prochains matchs. Ici Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, à vous Paris! Oh, et puis tant j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.